La Jaguar XK150 est une anglaise de compétition, mais cette voiture prestigieuse, aux allures royales, est un peu capricieuse. La voiture refuse de démarrer, notre expert pencherait pour un problème de mètre cylindre. Vous ne savez pas ce que c'est ? Un mètre cylindre, ça s'apparente tout simplement à une grosse seringue. Le freinage, ce n'est ni plus ni moins que du transfert de liquide. Quand le pied appuie sur la pédale de frein, le liquide de frein va être poussé, ce qui va se répercuter sur les étriers. Nouvelle mission pour notre expert, démonter le mètre cylindre pour mieux analyser le problème. Dans l'état où se trouve le mètre cylindre, il ne pouvait pas faire autrement que de fuir dans la voiture. Pour commencer, la restauration du mètre cylindre, il va falloir le nettoyer dans cette grosse machine grise, tout droit sortie d'un film de science-fiction. On va nettoyer la pièce pour la dégraisser complètement de toutes les saletés qu'il y a autour. C'est parti pour seulement 5 à 6 minutes de nettoyage, mieux qu'une machine à laver classique. Une fois lavé, nous allons passer la pièce à la microbilleuse. Cette machine projette des billes de verre de la grosseur d'un micron à haute vitesse. Le but de la manœuvre, décaper la pièce à restaurer. La pièce avait un aspect rouillé, corrodé, et là on croirait qu'elle sort de fabrication. Mieux que de la chirurgie esthétique. Le mètre cylindre a retrouvé toute sa jeunesse. C'est ce qu'on appelle faire du neuf avec du vieux. Notre expert doit changer maintenant.